Paul, viens me remplacer. Allez, oui. Bonjour, monsieur le maire. Sorel, comment allez-vous? Jean! C'est qu'il connaît par cœur le Nouveau Testament. En latin, évidemment. L'abbé Chéland dit partout que c'est un petit phénomène, alors. C'est Valneau qui vous propose davantage? 3 ans d'études. Un garçon qui parle latin mieux qu'un ange, monsieur Drénal. 300 francs par an. 300 francs. Plus l'habillement et la nourriture. De toute façon, ils vont rentrer au séminaire. Arrêtez! Il est apparemment beaucoup plus doué pour les études que pour la lutte. Bon, je lui parle. Non, moi. Moi. Je vous raccompagne, monsieur le maire. Par ici, s'il vous plaît. Pas d'idée bonapartiste, au moins. Au moins théologien, monsieur le maire. Bon. J'offre 350 francs. Mais je veux la réponse ce soir. Et si ça n'allait pas, si je devais vous le reprendre un jour, l'habillement, il le garderait? Je vais y réfléchir. Bien chez monsieur de Rinal? C'est lui. Qui ça? Lui, un précepteur, celui que vous avez engagé. Je vais le chercher. Vous pouvez entrer. Julien Sorel? Mais laisse-nous, Elisa. Alors, c'est vous qui parlez si bien le latin? Oui, madame. Je dois vous dire que j'ai du mal à me faire à l'idée que quelqu'un se trouve sans cesse entre mon fils et moi. Évidemment, je m'attendais à quelqu'un de plus... Non, vraiment, vous parlez couramment le latin. Oui, aussi bien que l'abbé Chéland. D'ailleurs, il a parfois la bonté de dire que je le parle mieux que lui. Tellement inattendu. Pourquoi? Non, pour rien. Simplement, j'imaginais un vieux curé. Non, pas vieux, mais ils sont parfois si sévères, si rébarbatifs. Vous ne battrez jamais mon fils, n'est-ce pas? Non, madame. Bien sûr que non. Stanislas va avoir 12 ans. Ça sera comme un camarade pour vous. Il est dans ma famille à Besançon. Il rentre demain. Ah, il est arrivé. Bonjour, Julien. Bonjour, monsieur. Commençons tout de suite par les bonnes manières, non? Dorénavant ici, tout le monde à part nous, bien sûr, vous appellera monsieur. Vous verrez, c'est une maison où les gens sont plutôt bien traités. Si nous sommes contents d'eux, évidemment. Mais vous verrez, si nous sommes contents de vous, vous n'aurez pas à le regretter. Peut-être un peu tôt pour en parler, mais pour le séminaire, je sais que c'est votre ambition. Je pourrais faire un geste, une petite rente. Là, nous verrons ça. En échange, je vous demanderai de couper court avec vos relations passées. Je ne souhaite pas que mon fils soit exposé à des personnes d'un autre milieu que le sien. Nous pourrions peut-être lui faire visiter la maison. Elisa s'en chargera. Elisa! Vous irez directement en ville chez monsieur Dunant, le drapier. Il vous taille un habit. Vous ne pouvez pas traîner chez nous dans cette tenue. J'en profiterai aussi pour vous faire couper les cheveux. Quelqu'un l'a vu? Elisa. Vous direz à monsieur Dunant qu'il vous fasse livrer le costume ce soir avant le retour de notre fils, que nous puissions lui présenter un précepteur présentable. Oui, monsieur. Elisa, la chambre de monsieur Sorel est prête, hein? Oui, monsieur. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Excusez-moi. Alors, qu'en pensez-vous? Il sera parti dans un mois. Non, non, je ne peux pas les supporter. Je ne peux pas les supporter. Tu as pourtant l'habitude. L'amour n'a pas été le berceau de ton enfance. Si seulement j'avais pu entrer tout de suite au séminaire. Je te félicite pour ta vocation, mais prends garde, mon enfant. Tu en veux? Oui, merci. L'Église
est un refuge. Ce n'est pas une fuite, je te l'ai dit souvent. Vous doutez encore de moi ? Ne te fais pas d'illusions sur ce qui t'attend, Julien. L'état de prêtre demande certains traits de caractère. La tolérance, l'abnégation, un renoncement aux avantages terrestres. Ce ne sera pas un grand renoncement pour moi. Tu as tout brûlé. Les livres, les documents. Oui, oui. Ce qui prouve ton attachement à l'empereur. Oui, tout. Attention, les bourgeois se croient tous les droits aujourd'hui, y compris celui de fouiller les chambres de leurs domestiques. Oui, je sais, je sais. Orgueilleux. Tu détestes les riches et tu méprises les pauvres. Tu hais là d'où tu viens et tu détestes là où tu vas. Mais où vas-tu ? Tu le sais au moins. Bonjour, Elisa. Alinéa 317, non fecit. Toti omninationi, justitia manifestacit. Alinéa 419, Deus Israël. Ipse dabit virtutem, et fortitudinem plebisuae. Il donnera lui-même à son peuple la force et la vertu. C'est pas possible, je gagnerai jamais, vous êtes trop fort. Allons, mettons au travail. Un jour, vous en serez autant que moi si vous voulez bien vous en donner la peine. Eh bien, Elisa, qu'est-ce que tu fais ? Maintenant, ouvrez votre livre à la page 32 et lisez-moi le début du deuxième paragraphe. Merci, un chien tranquille. Allez, prenez quoi. C'est Napoléon qui a voulu revenir au faste de l'ancien régime. Le royaume pour ses sœurs, la maison pour sa tribu et les bijoux pour sa mère. Et le sacre pour lui, le comble du ridicule. Mais le roi Charles X a voulu son sacre lui aussi. Non ? C'est un prince légitime. C'est un Bourbon tout de même. Vous n'allez pas recommencer. D'ailleurs, ces titres ne veulent rien dire puisqu'on peut les acheter. N'est-ce pas, monsieur Valnaud ? C'est vrai, nous vivons dans le royaume des parvenus. Je peux aller, je vous dois. Oui, mon cher. Venez-vous, monsieur Sorel, vous qui n'êtes pas de notre... Vous qui n'êtes pas de notre âge, qu'en pensez-vous ? Ce que je pense de quoi, madame ? De tout ça, de notre société. Je pense qu'il y a des nobles parvenus et qu'il y a des gens de basse condition qui sont parfois beaucoup plus nobles que certains aristocrates. Et à quoi reconnaissez-vous un véritable aristocrate ? À son éducation, à la délicatesse envers les inférieurs. Bravo. Et Bonaparte, c'est quoi pour vous, Bonaparte ? Bonaparte ? Bonaparte est un assassin, je l'exècre. Alors ça va ? Comment êtes-vous entré ? On a fait le mur, tiens. Alors c'est bien chez les gros. T'es bien traité ? T'as plutôt maigri, on dirait. Maman, maman ! Je cherche Julien, vous l'avez vu ? Il te cherche aussi. Il est rentré à la maison, je pense. Je n'ai pas pu m'empêcher, j'en ai écrit un autre. Il ne faut pas, voyons. Mais celui sur les hirondelles, vous m'aviez dit que vous le trouviez si joli, mon poème sur les hirondelles. S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer ces lettres. Mon Dieu ! Julien ! Julien ! Mais restez pas là, allez chercher du secours ! Restez pas planté, enfin ! Julien ! Mais c'est pas vrai ! Mon Dieu ! Ah, vous ouvrez les yeux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dort. Je lui fais avaler quelques gouttes d'arnica. Et des compresses. Faut les compresses aussi. Il n'a pas voulu, et c'est tant mieux. Benoît est si jaloux, alors les compresses. Il m'en aura fait une montagne. L'autre jour, il m'a dit, depuis que ce petit précepteur crasseux est arrivé dans la maison, tu ne me parles plus, tu ne me regardes plus. Il a raison, non ? Non ? Après tout, il n'est que fils de charpentier, même s'il parle le latin et tout le reste. C'est ce que j'ai dit à monsieur l'abbé. Tu en as parlé à l'abbé Chélan ? J'ai des économies, et j'irai très bientôt en plus. Ma tante me laisse sa mercerie, vous savez, place du marché à Besançon. On pourrait s'installer. Mais il veut être prêtre. Ce serait dommage. Et à lui, tu lui en as parlé ? Louise, je peux entrer ? Non, mon ami, pas maintenant. Je suis avec Elisa. À demain. Bon, à demain. Tu en as parlé, monsieur Sorel ? J'ai failli, plein de fois. Il vient souvent me voir à la lingerie. Il n'a que deux chemises.
Alors quand je suis en retard pour leur passage, je me fais attraper, évidemment. Il n'a que deux chemises. J'adore ça qu'il me dispute. J'ai l'impression d'être déjà sa femme. Vous croyez qu'il voudra de moi? J'ai su que j'allais l'aimer, dès que j'ai ouvert la porte. Quel âge as-tu? 18 ans. Moi, à ton âge, tout était prévu. Tout était déjà fait. C'est drôle quand on a de l'argent. C'est tout de même plus facile. Oui, c'est plus facile. Il y a un Y à Milabre? Milabre, M-Y. Alors, quand vous aurez fini, vous me copierez la liste des insectes nuisibles. S'il vous plaît. Bon, vous copiez la liste du livre. Je reviens tout de suite. Je l'ai trouvé fiévreux ce matin. Comment va-t-il? Un peu enrhumé, mais rien de grave. Son père me reproche de le couver de trop. Vous êtes sûr qu'il va bien? Voulez-vous vérifier? Non. Je vous suis très reconnaissante des progrès de Stanislas. Si, si, il est transformé. Vous savez peut-être, je suis l'unique héritière d'un oncle très fortuné. Me comble de présents, je ne sais plus quoi en faire. Je serais très heureux si vous acceptiez quelques louis, un petit cadeau pour vous acheter du linge. Mais ça serait notre secret, c'est pas la peine d'en parler à mon mari. Je suis pauvre, madame, mais je ne suis pas un valet. Jamais je ne cacherai quoi que ce soit concernant nos arrangements financiers à monsieur de Rênal. Je vous ai blessé. Madame, vous me jugez bien bas. Je l'ai humilié. Ce jeune homme que je respecte, que j'admire, je l'ai rabaissé. Si vous saviez comme il m'a regardé. Et en plus, quand je lui ai dit qu'il fallait même pas en parler à mon mari. Et pourquoi lui avez-vous dit ça? Mon mari est très à cheval sur les questions d'argent. Et je n'ai pas l'habitude d'intervenir. Quelle honte. Je ne sais plus quoi faire. Vous voulez un peu d'eau? Avec du sucre, s'il vous plaît. Quelle horreur. Je l'ai blessé. Vous avez seulement effleuré une plaie ouverte. Et douloureuse. Vous n'avez rien à vous reprocher. C'est un petit orgueilleux. C'est lui qui mérite une leçon. Il y a autre chose. Elisa vous a parlé, n'est-ce pas? Elle m'a parlé aussi. Je suis mariée, vous le savez, depuis l'âge de 16 ans avec un homme. Très bien. Il y a une véritable entente entre nous. L'autre soir, en écoutant cette jeune fille... Elle est jeune, elle est charmante, n'est-ce pas? Il y avait une telle ardeur, une telle fraîcheur. Elle m'a parlé de ses projets, de ses espoirs. Ses yeux brillaient. Et j'ai ressenti de la révolte. Un sentiment d'injustice. De la jalousie? Non, Dieu me préserve, pas de jalousie. Mais l'envie. L'amertume. Du regret. L'idée de ce jeune couple. Bien qu'il veuille être prête, n'est-ce pas? Dieu ne laisse jamais, tout comme il faut, longtemps. Vous vous trouverez dans la prière et la méditation la force de combattre les instincts qui vous inquiètent. Ils vont avec la vie. Ils approchent quand la jeunesse s'éloigne. Vous avez voulu parler à Dieu, maintenant il faut parler à votre mari. Ce petit problème d'intendance doit se régler avec lui. Une entente véritable passe par le chemin de la franchise et de la confiance. Vous avez toléré le refus d'un domestique. Julien n'est pas un domestique. Tout ce qui n'est pas gentilhomme vit chez vous et reçoit un salaire est votre domestique. Je vais lui parler, moi, à ce petit paysan. Je vais lui donner 100 francs et devant les autres. Et j'aimerais bien voir qu'il ose me les rendre. 100 francs, mais vous êtes fou. Oui, c'est vrai, un peu beaucoup. Et devant les autres? Quelle maladresse, ils en voudront autant. Et puis si vous l'humiliez, il partira. Et vous savez où? Mais, pour ne pas laisser passer un affront pareil. Ces gens-là, vous savez, il faut savoir les tenir. Eh bien, donnez-lui 100 francs. À titre exceptionnel, cela seul. C'est de ma faute et vous aviez raison. Ma place n'est pas à mêler des questions d'argent. On n'y reprendra plus.
Décidément, les femmes, toujours quelque chose à réparer à ces machines-là. Elisa, viens. Viens avec nous. Viens quelque part avec nous. Monsieur dit qu'il faut manger, sinon vous n'aurez pas la force de voyager demain. Mais j'ai pas faim, j'ai encore de la fièvre. Donne-moi le sirop d'orge, s'il te plaît. Tu as pleuré. Il refuse. Voilà. Il refuse. Quelqu'un lui aura dit du mal de moi. Ou il me trouve laide, tout simplement. Certainement pas. Il y a une autre raison, j'en suis sûre. Il a toujours dit qu'il voulait être prêtre. Je vais bien comprendre le jour où il dira la messe. Il t'a dit non. Ce matin. Mais peut-être que si vous lui parliez, après tout, je n'ai plus rien à perdre. Je vais lui parler. Oh, merci, madame. Merci. Vous le feriez ? Oui. Vous êtes sûre ?